Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2016 pour la suite de la compétition de la Ligue 1. Nous sommes en 16e journée et nous allons jouer contre Guingamp. Allons-y, c'est parti. Alors donc on avance le temps. J'espère que nous allons gagner et rattraper le Paris Saint-Germain, car franchement, nous avons perdu un match et nous avons fait un match nul. Donc j'espère que celui-là, nous allons le gagner quand même. Car bon, bah, j'en ai un peu marre de perdre en fait. Et bon, après, si je perds, bon, bah, c'est le jeu. Bienvenue à nos Hein? téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. D'ailleurs, à la Et fin nous de. retrouvons donc en avant Guingamp contre le LOSC. Merci de nous retrouver, Darren Tulette et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Salut Grégoire, salut à tous. On est impatients de vivre cette opposition entre deux équipes, somme toute assez séduisante. Alors, à la fin de cette vidéo, nous irons voir le classement, si nous sommes remontés ou pas. Et Le allons-y, jeu, c'est match parti commence. pour le coup d'envoi. Ça peut être extrêmement dangereux. Encore une occasion chaude, mais ça n'est pas allé au bout. Sidibé. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Ça joue long. Baka. Bon jaillissement, il Ah fallait merde. intervenir. Le ballon sort en touche. Le ballon sort en touche. Oh là, c'est chaud, quel tacle! La régulière, il est battu, joli tacle. Il n'a pas hésité, c'est propre. Alors l'avant Guingamp qui a soutenu son entraîneur et pourtant il a subi le feu des critiques après le dernier match. De toute manière, en cas de défaite, on blâme toujours le manager. Ce n'est pas nouveau, mais c'est parfois un peu facile. Ah là là, ouais, carrément. Hein. Parce que l'équipe, ils ont qu'à savoir jouer quand même. Et on commence à s'ennuyer là. Ce match manque de but. S'il le trouve, un long ballon vers l'avant. Ballon intercepté, ça soulage la défense. Matisse. Oh là là. Long ballon dans le centre. Allez, allez, allez. Allez, Lille. Allez, Lille. Allez, Lille. Allez. Qu'est-ce que j'ai foutu? Le bon dégagement. Qu'est-ce que j'ai foutu? Allez, voici bientôt à la mi-temps. Eh bien, je me toujours suis nul et trompé de. vierge. Matisse qui cherche la faille. C'est déjà Allez, presque ça va la faire fin de la vite. vidéo. Attention! Oh non, mais non, mais c'est pas vrai ça, Il marque putain! juste avant de rejoindre les vestiaires. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. En plus, je crois qu'il a frappe d'instinct, sans regarder les buts. De rattraper la balle, l'autre, non, non, là c'est. Putain, mais c'est pas vrai. Hein. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Voilà, bah, attends. Tout seul. Et le geste plein d'autorité, quel tacle. Ah, c'est la fin de ce match. Période. Ah, ça a manqué d'envie dans cette première mi-temps. Enfin, la fin On de va cette peut-être faire des première changements pour la période. deuxième période. Ouais, bah, j'espère. Hein. Parce que c'est bon, j'en ai marre de perdre. La seconde période, c'est parti. Merde, c'est pas par là. J'ai fait un peu mon captain obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus.
Quelle passe! Quelle solidité! Bien joué! Il a pris tout le monde de vitesse! Quel but! Voilà. Ils n'ont jamais baissé la tête, même quand ils étaient menés. Et s'ils poussaient pour passer devant maintenant? Ah, j'aimerais bien, ouais. Et c'est tout ce que je vais faire. Oh, c'était une frappe monstrueuse! Le gardien monstrueuse. A bien vu venir, mais il ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Regarde, délicieux tac, hop là, tac. Là, tu allais se rapprocher et boum. Enfin. Bon, on espère que je vais avoir les 3 points là. Je puisse remonter dans le classement. Et voilà, ils ont égalisé, on va voir maintenant si 4 troisième. Il décide d'allonger le jeu. Non, mais putain! Il peut en profiter! Mandan, c'est le genre de joueur qui aime bien les provoquer, c'est bien tenté. Incroyable, c'est une véritable anguille! Une occasion! On le tire! Au but pour Lille! Voilà! Ah, ça fait de bien quand même! C'est bon, j'en ai marre de perdre! Action, ce but, il ne le doit à personne. Il est allé tout seul et c'est parfait. C'est absolument parfait. Bon. Dans les prochaines vidéos de compétition de Ligue 1 et de l'UEFA Europa League ou de la Coupe de France, je vais augmenter les matchs. Oh, il faut frapper! Attention la frappe! Bon, elle a raté. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient mérité mieux, c'est dommage. J'augmenterai le temps. Au lieu de jouer 10 minutes, je jouerai 20 minutes. C'est-à-dire 10 minutes la première période et 10 minutes la deuxième. Voilà, comme ça, j'aurai plus de temps pour rattraper si... Tu me prends deux buts ou quoi? Toujours pas de mouvement du côté du banc. On entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif. S'il y a déjà eu un changement avec con quoi. La bonne passe. Et pourquoi le gardien tire, putain? J'ai pas dû sortir, allez. Sur les bandes touches, on devrait assister bientôt à un changement. Oui, allez, après on s'en fout. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. Pied, à sa place, le numéro 2. Jakobsen, centre à ras de terre. Kier, il joue dans la profondeur. Va-t-il en profiter? Ah oui. Sans carré, maintenant. Viens là. Heureusement qu'il n'y avait personne hein, de l'autre côté. Je suis comme des vrais, putain. Oh, la grosse occasion. La passe dans la profondeur. La faute. Bah, elle est où l'offre? Ah ouais, c'est vrai que je tombe. Ouais, bon bah c'est bon. Allez. Cinq minutes de temps additionnel. Allez, plus que quelques instants à tenir. C'est joué long. Voici Roux. Oh, le contre, l'arme fatale. Elle siffle là, putain. Voilà, merci. Le sifflet de l'arbitre, le match est fini. C'est vraiment une victoire tactique. Magnifique de leur part, ils étaient menés dans cette rencontre et ils ont réussi à totalement revenir au score, bravo à eux. Ils ont été menés, ils sont revenus dans le match, la victoire n'en est que plus belle. C'en est terminé Darren pour cette belle soirée de football, merci de l'avoir vécu à nos côtés, bonsoir. Voilà, et en nous quittant, ben, vous pouvez laisser un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à venir vous abonner pour la suite de mon aventure. Donc voilà.
Je vous laisse sur ces images, je vous laisse sur les images du classement que nous voyons tout de suite. Alors nous sommes remontés quatrième. Donc en espérant que le prochain match, nous allons le gagner. J'aimerais bien rattraper le PSG, quoi, quand même. Hein? Donc voilà. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye pour de prochaines aventures. Et prochain match, nous jouerons contre le FC Lorient. Donc voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Allez, c'est parti. Allez, ciao, ciao.